Et celui qui m'a créé, il m'a donné la bonne guidée, c'est lui. Celui qui m'a créé, et c'est lui qui m'a donné la foi, dit Allah. Et c'est lui qui me fait boire et à manger. Par exemple, nous, quand on boit quelque chose, par exemple, en ce moment, c'est Allah qui m'a fait boire. Et si tu dis, moi, j'ai bu, cela n'ira pas, c'est de l'associationnisme. C'est Allah qui m'a fait boire. Et celui qui fait boire de l'eau, c'est Allah. Et celui qui, autre chose, lorsque je tombe malade, c'est lui qui me donne la guérison. Ce n'est pas le docteur, c'est les médicaments, c'est Allah qui donne la guérison. Car c'est également Allah qui crée la guérison. Et ici, est-ce que vous voyez le style opposé donc au shirk? Et les gens pensent que c'est simplement adorer les idoles. Non, ce n'est pas ça. Et tu dois savoir cela. Le contraire sera l'associanisme et toute chose qui te passe par la tête, tu dois savoir que c'est Allah qui le fait. Et si tu dis donc, et celui qui fait cela, donc je vais vous faire régner sur le monde dans la sourate Nour 55. Et si vous acceptez toute chose que je fais, et toute chose que je fais, donc vous croyez que c'est à moi qui l'ai fait en y croyant. Et alors à ce moment-là, donc Allah promet, je vais vous faire régner sur le monde, même si votre nombre est faible et peu nombreux, si vous voulez, donc vous pouvez être seulement 10 personnes et seulement 10 personnes. Allah dit, je vais vous faire régner sur le monde. Et c'est également lui qui va me tuer, me ressusciter. Et la personne dit que c'est une personne qui m'a tué. Non, c'est Allah qui tue. Et lorsqu'il ressuscite, c'est encore Allah qui ressuscite. La religion, le jour de châtiment. Et regardez, donc il ne donne pas de garantie. C'est un prophète. Le prophète Abraham, Jacob, dit, c'est un saint, il est parti au paradis. Certains imams ne disent pas ainsi. Oui, il dit, il est mort et en ce moment il est au paradis. C'est le prophète Abraham qui dit cela. Donc la religion, le jour du châtiment, le jour où je vais trouver ses fautes, Dieu dit, je ne suis pas sûr. Et ensuite, Allah dit donc que c'est mon Halil, mon indulgent, et ensuite on comprend qu'il va au paradis. C'est en ce sens qu'il dit ainsi. Et ensuite, il le fait savoir, donc par révélation, qu'il va aller au paradis.